je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Patricia. Sur la stratosphère, c'est Patty 08, donc parce que j'habite dans les Ardennes. Et donc, je suis animatrice Keepers Créatif. C'est une entreprise qui est basée en Hollande et qui a des animatrices en région en France. Donc, il y a un site client. Je vous mettrai dans les commentaires. Mais vous ne pouvez pas mettre dans le panier. Il faut absolument passer par les animatrices qui sont un peu le lien pour être pour le conseil, pour l'échange. Voilà. On est plutôt dans le partage que plutôt dans l'achat seul devant son écran d'ordinateur. Donc, pour une première, je souhaitais vous présenter les produits que j'ai reçus là récemment, sachant que c'est vrai qu'en raison du confinement, on réinvente un petit peu notre façon de travailler. Donc, je vais vous montrer, je vais le découvrir un peu en même temps que vous. J'avais pris dans mon panier des choses que j'avais envie de découvrir. Hein. Donc, pour commencer, je voulais vous montrer ce produit qui est vendu avec ses petits pochoirs. Donc, je vais l'ouvrir en même temps que vous. Sachant que je mettrai également, quand il y aura, des petites vidéos tutoriels pour voir comment on s'en sert. Hein. Donc, en fait, c'est une petite plaque aimantée qui n'est pas très... Enfin, qui n'est pas très grande. C'est un carré qui fait 17 par 17. Oui, un carré 17 par 17 aimanté. Et en fait, c'est permet de coloriser les pochoirs. Donc, les pochoirs adaptés, mais j'imagine qu'on pourra également coloriser ces pochoirs, n'importe quel pochoir, mais là, sans qu'on l'aimante. Vous voyez, aimanté. Donc, par contre, c'est vendu avec ces pochoirs-là. Donc, ben, on va prendre celui-ci. Mais, alors, les pochoirs sont à 3,50 €. Et la plaque est à 9,80 €. Donc, je vous montre ça rapidement. Donc, je découvre. Hein. En fait, j'avais vu plus ou moins une vidéo, mais je n'avais pas... Donc, vous avez l'option de, si c'est un pochoir classique, bah, vous le maintenez en place comme ça, hein, en ayant pris soin de passer une feuille en dessous, entre les deux. Voilà. Ça, c'est si vous avez un pochoir classique. Et puis, si vous avez les pochoirs de la marque, donc il y a l'aimant, éventuellement pour fixer la feuille, parce que c'est un double usage, ça fixe également la feuille en dessous. Mais vous avez les petits ergots, là, qui en fait permettent de fixer, vous voyez, mettre en place. Alors, à voir, hein, ah ben voilà. Éventuellement de mettre en place les petits, bon, à voir, hein. Bon, je trouve que les aimants, déjà, c'est déjà pas mal. Donc, je vais faire l'essai tout de suite, voir ce que ça donne en direct. Donc ça, c'est, voilà, tac, tiens. Donc ça, c'est mes petites mementos. J'ai tout un assortiment. C'est très sympa comme couleur. Il y a plein de petites couleurs. Il y a plein de... C'est pas très grand. Donc ça fait des pattes qui sont pas très très chères. C'est dans les 2 €, 2,15 €. Donc toujours, bah, quand on fait de l'ancrage comme ça, c'est toujours un peu dégorgé. Et venir, voilà, un peu dans cet esprit-là. On enlève un peu le surplus. Voilà. Et en fait, le fait que la feuille soit maintenue, je trouve ça, c'est assez sympa, en fait. La feuille soit maintenue par les aimants. J'espère que vous voyez bien sur la vidéo, parce que pour moi, c'est une vraie première dans tous les sens du terme. Vous présentez les produits, vous présentez en même temps des techniques. Donc, voilà. C'est ça, hein. Le confinement, il y aura un avant et un après. Ça nous oblige à nous réinventer un petit peu. Donc, voyez, et bah, c'est pas si mal. Bon, c'est travaillé un petit peu rapidement, mais voyez ce que ça donne. Ça permet de fixer les pochoirs. Donc, voilà, il y avait celui-ci qui était en vente. Et puis, donc, le second que je vous ai montré aussi, qui est à base de fleurs.
Voilà. C'est le deuxième. Ah, vous voyez, ils sont là. Ouais. Bon, j'espère qu'ils vont en sortir d'autres. C'est pas mal. Mais sinon, dans tous les cas, vous pouvez avoir que la plaque. Et puis, utiliser vos propres pochoirs. Donc, c'est vrai que j'en ai pas pris, là, de pochoirs. C'est dommage, parce que j'aurais pu tester. Mais je pourrais vous montrer que c'est de la même manière, c'est réalisable. Hein. Donc, voilà pour le premier produit. Je vais essayer de pas trop m'attarder sur les produits, pour pas que la vidéo soit trop longue. Ensuite, nous avons reçu... J'ai reçu également... Alors, oui, il y a toute une gamme chez Nord Design Joycraft, qui est sorti avec des petites converses, etc. Donc, nous avons le mini-album converse. Donc, vous voyez la taille. Hein, il n'est pas bien grand, mais il fait 15 par 10. Alors, je vais vous montrer. Donc, alors, de la même manière, oui, je vous laisse découvrir en même temps que moi. J'ai opté pour ce choix. Bon, ça va peut-être un peu allonger la vidéo, mais... voilà. Donc c'est la référence 6320 0018, donc de chez Joycraft, et c'est à 5,99. Donc la première, elle est comme ça, donc on peut même imaginer mettre des lacets, et puis il y en a trois autres comme ça. Donc c'est, vous avez deux options pour les relier. Alors déjà, un, on peut imaginer faire deux couvertures d'album, ça c'est éventuellement, soit que ce soit des pages d'album intérieures. Donc pour rajouter des pages en papier, il suffit de prendre, se servir d'un des modèles comme gabarit. Et puis donc la reliure peut se faire avec ruban, mais éventuellement avec des anneaux. Voilà. Donc ils ont sorti dans la même série, ils ont donc sorti les petites converses. Il y a une série de tampons. Ah voilà. Alors, un peu mix média, hein. Moi, je la trouve assez sympa. C'est pour tout ce qui est écriture. Donc, ça, c'est quand on se lance un peu dans le mix média. Et ces petites formes-là, ces étoiles et tout, c'est très sympa. Et puis, donc, à nouveau, les petites baskets. Et donc, la collection de papier. Donc, dans cette collection, dans cette série-là de Joycraft, à chaque fois, ils font 8. C'est des collections de 8 papiers, pardon. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, vous voyez, avec deux feuilles avec des bouquets. Hop, je vais mettre ça. Donc, ces collections-là sont à 8,99 €. Donc, voilà. Alors, je vous les montre. J'espère que la mise au point se fait à chaque fois, en fait. Donc, il y a celle-ci avec au dos celle-là. Moi, j'aime bien parce qu'ils n'ont absolument pas de bande marchande. Elles sont vraiment super jolies. En est ton rose pâle. Donc vous avez celle-ci qui éventuellement doit se mettre peut-être comme ça. Bon, pour que... Et voilà. Ah, bah celle-ci, elle doit se mettre dans ce sens-là. Donc vous voyez ça. Donc c'est comme ça que ça se regarde. Donc les fameuses étiquettes. Alors effectivement, il y a un peu de mots en anglais, mais pas trop. Et on peut toujours recouvrir, hein, quand il y a un mot qui vous semble... Il suffit de mettre une étiquette, en fait. Et vraiment sympa pour les albums de voyage ou pour les jeunes. Je trouve ça génial. Oh, pardon, je ne vous ai pas montré le dos de celle-ci. Voilà. Ensuite, bah ça, ce sont des tags à découper. Voilà, des petites étoiles bleues. Ensuite, nous avons celle-ci. Voilà, c'est tout. C'est ambiance jean et converse. Donc, sympa pour le voyage, moi, je trouve. Ou pour des albums d'ados. Ouais. En fait, je les découvre en même temps que vous. Hein. Donc, j'adore. Ouais, donc, au niveau mots, oh, ça va, il n'y a pas... Il n'y a pas trop, ça reprend un peu les éléments des pages que l'on a vu. Voilà. Donc, comme je le répète, donc c'est une collection de 8 feuilles. Donc, on les retrouve ici. Hein. Il y a eu d'autres papiers, d'autres collections dans ce système-là, toujours avec 8 feuilles. Je les aime beaucoup parce qu'ils ont vraiment des univers complètement différents. Très sympa. Donc Joycraft, donc effectivement,
le mini-album. Et puis à chaque fois, il y a une petite gamme autour. Donc il me semble qu'il y a des dies, des gabarits de découpe. Enfin, il y a d'autres choses qui vont avec. Voilà. Ce que je vous montrerai peut-être dans un prochain colis. Parce que en fait, je vous montre ce que j'ai reçu. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous parler. Ah oui, on a. Alors, ça n'a rien à. Ça, on a sorti également des similitudes. Et alors, le dernier en date, il est absolument sublime, c'est Marilyn Monroe. Il y a la tour de Pise, il y a New York, il y a Paris, il y a Big Ben. Oh, il est super beau. Alors là, vous ne pouvez pas le voir, mais en fait, ça fait 50 cm par là. Vous avez qu'un quart, en fait, du simili-cuir. En fait, il faut imaginer ça alors, 4 fois. Parce que ça fait 50 cm par 70. Allez, avec ça, ça peut faire des magnifiques albums. Donc, et si vous allez un petit peu sur le site, je vous mettrai le lien d'ailleurs, parce qu'il y en a d'autres absolument sublimes, avec ambiance BD. Enfin, ils en ont fait vraiment des chouettes. Donc, très jolie qualité. Ça, c'est 7,90 dans mon souvenir. Et sinon, on en a en uni, qui sont vraiment pas de même taille, mais avec des couleurs unies, à 3,90 €. Donc, ça, c'est génial. Pas cher du tout. C'est très inspirant et je pense qu'on va faire des choses sympas avec ça. Pour rester un petit peu dans les matières, on a une gamme de feutrines. Donc, qui sert, pareil, je crois que c'est 40 par 30. Voilà. Qui sont dans les alentours de 1 €. Ça dépend des modèles. Hein. Ça va de 90 centimes à 1,10 €, il me semble. Vous voyez, j'ai même toute une autre série. Attendez, je vais vous aller chercher, que je vais aller chercher. Grâce à une cliente, je vais pouvoir vous la montrer. Tous les modèles éventuellement qu'on peut avoir. Vous voyez, les pois. Toute une série de pois avec des couleurs un peu flashy. Des fleurs, de la dentelle. Vous voyez, il y a plein d'imprimés différents. Donc... comme je ne lui ai pas encore donné sa commande, elle se reconnaîtra, je pense. Merci, Flo, de m'avoir prêté ta commande, enfin, tes produits. Donc voilà, ça, je voulais vous parler des feutrines. Ensuite, également, donc, Studio Light. Alors, ça, c'est des... Alors, il y a des univers complètement différents chez Studio Light. Ça dépend vraiment des créatrices. Donc là, c'est l'univers de... Alors, comment elle s'appelle? Jenine. Donc, bon, c'est un univers un peu rose. Mais en fait, dans chaque créatrice, à chaque fois, il y a le petit bloc comme ça, qui avec des petits éléments. Alors là, évidemment, c'est une déco en rapport avec ces thèmes. Hein, mais ils sont tous, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est prédécoupé. Donc, c'est facilement utilisable avec de la mousse 3D. Alors, concernant la mousse 3D, moi, j'affectionne particulièrement celle en rouleau. C'est, je trouve, plus facile. On découpe vraiment à la taille de ce qu'on a besoin. Et c'est plus pratique que les petits carrés. Je trouve ça plus joli. Donc, vous voyez, je peux éventuellement vous montrer quelques pages. Donc, elles sont toutes en double. Donc, alors c'est en rapport avec l'ambiance de ces pages. Donc généralement, il y a également des pages 30-30, 4, et 4 pages à 4 aussi, dans le même thème. Et puis on a également des tampons et des gabarits de découpe associés. Hein. Voilà, je vous montre un peu. Donc c'est vraiment un... Ça dépend vraiment de l'univers de la créatrice. Hein. Donc là, je vous ai montré celui-ci. Dans tous les cas, dans la barre de commentaires, je vous mettrai les liens, soit de vidéo, soit le lien du site, si vous voulez en voir davantage. Voilà. Et puis, sinon, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les duos de chez Nelly Choice. Donc, c'est un duo tampon et gabarit découpe. Donc après, à prix très très avantageux, je trouve que c'est pas très cher pour avoir et le tampon
et le gabarit de découpe assorti, ça évite de devoir le découper soi-même, ce qui n'est pas toujours évident, si on n'a pas un ciseau-pince. Donc là, c'est la dernière, les quatre derniers qui sont sortis. En fait, ils les sortent par quatre. Donc, je vais vous montrer les quatre derniers sortis. Il y a Back to School, donc la petite fille, un peu esprit Fifi Brin d'Acier. Voilà. Nous avons la communiante. Voilà. Hein? Donc, un peu de. C'est un peu de circonstances. Après, je ne sais pas trop si les gens vont pouvoir organiser les communions de leurs enfants. Alors, il y a celui-ci qui est très rigolo. En fait, c'est un duo petit garçon et son chien. Et puis, petite fille et son chat. Donc, ils font à peu près, je vais vérifier, mais vous voyez, les personnages font à peu près 7 cm de hauteur. Et concernant les animaux, c'est une vingtaine de centimètres. Hein. Voilà. Donc, j'en profite pour vous montrer, parce que c'est vrai que vu que le confinement dure depuis un petit moment, il était sorti aussi dans le même esprit. Les duos au moment de Pâques, qui étaient en rapport avec Pâques et la naissance plutôt. Donc je vous les montre. Vous voyez, le petit poussin, donc ça c'est pour les albums de naissance, ça peut être sympa. Le petit lapin, le duo de lapin. Le chat, et puis le petit ours, donc avec le petit cheval. Voilà. Et dans la même série, nous avions aussi, et tout ça c'est sorti au moment du confinement, tout ce qui est en rapport avec le mariage, la demande de mariage, les amoureux. Donc nous avons là celui-ci, le duo La demande en mariage. Les mariés sur un vélo tandem. Enfin, ou un peu ancien, et le bisou de la mariée. Donc pareil, hein, ça fait toujours à peu près entre 5 et 6 cm. Les prix, vous voyez, ça tourne entre 5,45 et 6,25. Pour les autres, c'était pareil. Donc ça reste très abordable. Et pour faire des mini-albums, et la découpe est immédiatement réalisée proprement. Donc ça, c'est sympa. Je voulais vous montrer aussi, là je vais en terminer, je pense. Alors, avec un nouveau produit qui permet. Alors, pareil, hein, je vais l'ouvrir et je vais regarder. C'est Pronti qui fait ça. Ils font beaucoup de bois. Pardon. Du bois. Et il y a plein de choses différentes. Et là, en l'occurrence, ils ont créé des tiroirs pour pouvoir ranger ces feuilles de scrap. Donc, je regarde le prix. 6,20 €. 6,20 € la boîte. Et donc je pense que c'est assez simplement, ça se monte comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc évidemment, vous pouvez éventuellement le garder brut ou le peindre. Ça, c'est pour l'assortir à votre intérieur. Donc, oui, si ça se monte assez facilement. Alors, je vais essayer de le monter rapidement et puis vous montrer que vos pages de scrap rentrent. Voilà, vous voyez. Donc, et puis donc celle-ci va au bout, j'imagine. Pardon, excusez-moi. Je tousse. Oh, j'espère que la mise au point va se faire parce que. Voilà. J'espère que si je ne vous rends pas. Vous n'avez pas mal au cœur. C'est fort possible. Alors, mince. Si ça doit se mettre, hein. C'est juste que comme je fais en même temps en direct, c'est forcément c'est pas, il n'y a pas de trucage. Voilà. Donc ça vous fait un tiroir. Là, je vais ressortir mes feuilles 30-30 de tout à l'heure de la collection. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà, elles sont rangées. Ah, c'est sympa, je trouve. En plus. Et donc, alors évidemment, j'en ai pas deux. Mais c'est empilable. J'avais vu ça.
Donc, la possibilité de l'empiler. Donc, c'est dans le nouvel information, je crois qu'on le voit. Donc, ils ont sorti ça. Ils l'ont sorti aussi en format A4. Après, le format A4, on trouve facilement des tiroirs en A4 dans tous les magasins. Mais là, en 30-30, je trouve ça sympa. Et on peut imaginer les empiler les uns sur les autres. Donc, il y avait ça que je voulais vous montrer. Et puis, sinon, alors, mais ça, c'est carrément pour faire autre chose. C'est pour aussi vous montrer que on peut avoir vraiment tout chez Keepers. Moi, je suis essentiellement scrappeuse, donc effectivement, j'ai plutôt tendance à m'acheter les choses en rapport. Mais on a vraiment plein de matériel différent. Et pour tous, il y a même de la confection de bijoux, donc le scrap et la carterie, forcément, qui est très en vogue. Mais aussi, depuis peu, on a de la laine. On a de la laine feutrée. Et puis, plein de supports de base, soit en bois, soit en MDF, pardon. Enfin, vraiment, c'est le site regorge vraiment de beaucoup de produits. Vous avez également des tutos vidéo, des petites techniques à réaliser. Enfin, vraiment, c'est. N'hésitez pas à aller vous promener sur le site. Donc voilà, ça, c'est les dernières choses aussi qu'ils ont sorties en bois de hêtre, il me semble que j'avais vu. C'est pour mettre des petites bougies, mais que vous pouvez réaliser vous-même. Donc, il y a celui-ci. Alors j'ai plus le prix de celui-là, mais je crois que c'est 2,50 le petit. Et celui de 10 cm est à 3,10 €. Et c'est lourd, hein, c'est vraiment du bois. C'est très, très joli, j'ai trouvé. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, que les mises au point se sont faites normalement, que ça a été. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces, abonnez-vous, parce que je vais essayer d'en refaire d'autres, soit de matériel, mais peut-être de technique. Je vais voir, en fait, je suis un peu dans le flou, je crois qu'on est tous un peu dans ce cas-là. On essaye de trouver des solutions et... voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces en haut, à faire des commentaires aussi. Moi, je suis preneuse, hein. Évidemment, j'aime bien qu'on me félicite. Et enfin, mais dès l'instant que les remarques sont constructives, je suis preneuse. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et à très vite. À bientôt. Au revoir. Thank you.